Good morning, allez Iden, tu seras aujourd'hui le Nishmat Mori Rabbi Shmuel, Ben Shlomo Zalman, Nissim Ben Ahuda, Sarah Batrana Rachel, Shlomo Ben Esther, et Risha Batraim Nechemia. Si vous souhaitez aussi d'aider une prochaine étude de Mishnah, contactez 5 minutes éternelles. Nous étudions Maserhet Zvachim, Parik Bet, Mishnah Bet, Ashochet et Azevach, Lizrok Damo Bachutz, O Miktsat Damo Bachutz, Leaktir et Emurav Bachutz, O Miktsat Emurav Bachutz, Lechol Besaro Bachutz, O Kazait Mibsaro Bachutz, Olechol kazait meora alia bachutz pasul ve'en bo karet. Lizrok damo lemachar o mikzat damo lemachar, leaktir emurav lemachar o mikzat emurav lemachar, leechol besaro lemachar o kazait mi besaro lemachar, olechol kazait meora alia lemachar pigul vechayavin alav karet. C'est bien dommage que cette Mishnah soit la Mishnah Bet, et que demain on verra en fait la Mishnah Gimel, où elle va nous poser la généralité de cette Mishnah. D'accord ? Ça aurait été mieux en fait d'étudier la suite, d'étudier d'abord la Mishnah Gimel. Malgré tout, on va se... Au contraire, pour nous, il y a quand même un avantage de présenter deux fois le principe de la Mishnah. On va entrer, à présent, dans un sujet très important de Svachim, qui va apparaître, qu'on va tirer jusqu'à la fin du Perek Dalet, je crois, on va en parler fréquemment, de l'interdit de Pigoul. C'est en rapport un petit peu avec ce qu'on a appris jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant, on apprenait qu'il y avait des intentions particulières à avoir lorsqu'on égorge un corban, ou au moins plutôt ne pas avoir de mauvaises intentions, ne pas penser qu'on égorge autre chose. À présent, on va parler d'un sujet qui s'appelle Chutz Lizmano et Chutz Limkomo. Chaque corban, il doit être consommé selon des limites bien spéciales. Soit il y a des corbanotes qui sont consommés dans l'enceinte du Beth Amikdash elle-même, il y a d'autres corbanotes qu'on a le droit de consommer dans tout Yerushalayim, mais en tout cas, qu'au pire, on n'aura pas le droit de les sortir en dehors de Yerushalayim. Et à part ça, il y a un zman, un temps délimité pour consommer chaque corban, qui sera en général de un jour pour la plupart des corbanotes, et pour parfois le Shlamim ou le Bechor, on aura deux jours. Korban Pessah, on aura jusque le soir même, jusqu'au lendemain matin. C'est ce qu'on lit dans la Mishnah de Ezoud Mekomen Shizvachim. On définit chaque korban et la limite de consommation. Donc pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est de bien préciser. Chaque korban, il est délimité par un zman et un makom. Une période dans laquelle on a le droit de le consommer et un lieu dans lequel on a le droit de le consommer. Le interdit de Pigoul, c'est que si on égorge le korban en pensant, en le faisant chutz lizmano ou chutz limkomo, on invalide le korban. C'est-à-dire, on va prendre le cas d'un khatat. Je l'égorge, je suis le kohen, je l'égorge pour qu'on le consomme. Normalement, on doit le consommer. On a un jour et la nuit qui suit pour le consommer dans l'enceinte du Beth Amikdash. Uniquement dans la Hazara. Les Kohanim s'assoient là-bas et mangent le Korban dans la Hazara. Ils peuvent le manger dans la nuit qui suit, mais ils n'ont pas le droit de l'en laisser jusqu'au lendemain matin. Si toutefois on égorge le Korban en pensant le consommer par exemple le lendemain, ou encore en pensant le consommer en dehors de l'enceinte du Beth Amikdash, qu'on va en amener, le Kohen il égorge en pensant qu'il va amener une part à sa femme qui est restée dans la maison à Yerushalayim même. Eh bien, là, il a invalidé le korban parce qu'il a été, il a une intention chutz lizmano en dehors de son temps délimité, ou encore chutz limkomo en dehors des frontières, des limites de consommation. D'accord ? C'est le principe de pigoul, avec une différence importante. C'est que si on a pensé chutz lizmano au-delà de la période limitée et permise, alors là, il y a un issur karet de manger cette viande. On est passible de retranchement. La différence de celui qui va égorger l'animal en pensant le consommer à un autre lieu, alors le korban sera invalidé, mais malgré tout, il n'y aura pas d'interdit de karet de manger cette chair. D'accord ? C'est des données, on aura l'occasion d'en reparler très longuement, mais Bezrat Hashem, de les approfondir. Je sais que c'est assez nouveau pour vous, et presque pour moi. Moi, personnellement, Svachim, j'ai étudié l'agma assez bien, mais d'abord ça fait longtemps, c'est un peu vieux, et c'est deux notions qui
qui étaient assez nouvelles quand je les avais découvertes il y a 7 ans à peu près, c'était à l'époque du Tafayomi. Donc voilà, on va avancer doucement, doucement ensemble, ne vous inquiétez pas, avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre, on va commencer à mieux comprendre. Pour le moment, on retient la notion de Chutz Lizmano, Chutz Limkomo, Pigoul, Chutz Lizmano, on est passible du karet lorsqu'on pense Chutz Lizmano au-delà du temps permis, mais il n'y a pas de karet lorsqu'on pense à Chutz Limkomo en dehors de son lieu de consommation permise. Maintenant, il faut nécessairement... Alors maintenant, la Mishnah va entrer plus dans les détails. Elle va nous dire, sache que lorsqu'on fait un korban, il y a trois choses. Il y a trois consommations, trois achilot. Il y a le fait de verser le sang sur le misbéach. D'accord ? On va distinguer comme ça. Il y a le sang, l'action de verser le sang sur le misbéach. Il y a la chair que l'on consomme et la chair que l'on brûle sur le misbéach. D'accord ? Il y a trois destinations des éléments qu'on va récupérer d'un korban. En général, tout korban, il va être consommé. Tout korban, il va inclure ces trois choses-là. On va récupérer son sang, on va le verser sur le misbéach, c'est l'essentiel du korban qu'on a pris jusqu'à maintenant. Il y a par ça le fait que on va prendre certaines parts et les faire monter sur l'autel et les brûler. On aura la nuit qui suit en général pour brûler ces parts, ce sera que la nuit qui suit. Et il y aura par ça la consommation, soit des Kohanim, soit des Bnei Israël, du propriétaire qui l'a porté, qui sera permise, donc ce sera la chair permise. Pour pouvoir rendre un korban pigoul, il faut nécessairement prendre un de ces trois éléments et le faire sortir en dehors de ses limites. C'est-à-dire, lorsque j'égorge le korban, jusqu'à la Shkia, jusqu'au coucher du soleil, pour verser son sang sur le Misbéach, alors, je transgressais l'interdit de pigoul. Donc, le mot pigoul, en traduction, ça veut dire qu'il est répugné. Je ne vois pas le rapport tellement... En tout cas, la Torah l'a défini comme ça. Répugné et rebuté. Donc, je reprends. J'égorge le corban en pensant que je vais verser son sang sur l'autel ce soir. Je vais attendre mon cousin qui va venir dans Nazareth. Je vais lui montrer comment est-ce que je verse l'autel. Le sang sur le misbéach. Donc, j'ai pensé là à... verser le sang en dehors de son temps permis. Je l'ai rendu pigoul. Il y avait des éléments, ce qu'on appelle les emurim, les parts qui devaient monter sur l'autel, que je devais jusqu'à la nuit qui suit pour les faire monter sur l'autel et les brûler. Je me suis dit que j'allais attendre, j'allais les faire que demain matin, j'allais les faire monter sur le misbéach. J'ai rendu le korban pigoul. Pour ma consommation personnelle ou des kohanim, on était limité jusqu'à un jour. Par exemple, pour tout korban jusqu'au lendemain matin, ou encore pour un korban shlamim, j'ai deux journées avec la nuit d'entre les deux pour le consommer. J'ai pensé à le faire chutz lizmano. Alors j'ai rendu le korban pigoul. Et si je l'ai fait aussi chutz limkomo, c'est-à-dire j'ai pensé à le consommer ou à verser le sang chutz limkomo. Je me suis dit que j'allais prendre son sang et aller le verser à Yerushalayim à l'entrée de la Hazara. En dehors, quoi. Enfin, donc là, je ne me suis plus acquitté de... mon corban, bien sûr, et plus que ça, j'ai pensé à faire sortir le sang à un lieu où il ne fallait pas le sortir, donc je l'ai rendu invalidé. Je l'ai invalidé, d'accord, c'est le principe, il est clair. Maintenant, désolé, mais tout ça c'est que des introductions pour pouvoir lire la Mishnah ensuite de manière fluide. Il y a maintenant, il faut savoir, c'est pas la peine de penser à verser tout le sang en dehors, dans un moment interdit, ou dans un lieu interdit, il suffit même de penser un petit peu du sang. Ou idem encore avec la consommation. C'est pas la peine de penser que je vais manger toute la chair jusqu'au lendemain. Même si je me dis que je vais manger tout le korban cette nuit, mais je vais me garder un petit kazaït, un petit volume de 30 grammes, 27 grammes pour le lendemain. Et bien même en cela, je vais transgresser l'interdit de pigoul. Ou encore, idem encore avec la consommation du misbéach. Si je me dis que je vais brûler tous les imurim aujourd'hui, mais... je vais quand même laisser un petit morceau d'un kazaït que je vais faire demain. Et bien là aussi, j'aurai transgressé l'interdit de pigoul en l'interdisant avec un vrai pigoul où il y a un chiv karet ou pas, selon le cas, si j'ai pensé à le faire chutz lizmano ou chutz limkomo, en dehors du temps permis ou en dehors du lieu permis. Si vous avez compris ça, alors maintenant, on commence à avancer la Mishnah. J'ai presque tout dit pour comprendre la Mishnah. Il y a juste un petit cas un petit peu compliqué avec
le kazait meora alia. Je le dirai à la fin de la Mishnah, d'accord? Quand on va lire la Mishnah, d'abord je vais vous montrer qu'on a Baruch Hashem tout compris toute la Mishnah. Et cette petite phrase un petit peu bizarre, on l'expliquera à la fin. Pour ceux qui tiennent encore la route, alors on rentrera dans plus de précision. Pour le moment, on fait la Mishnah tout de suite. Ashochet et Azevach, celui qui égorge le sacrifice. Lizrok Damo Bachutz, avec l'intention de verser son sang à l'extérieur, dans un lieu où il n'a pas le droit d'aller, où il ne doit pas aller verser le sang là-bas. D'accord ? O Miktsat Damo Bachutz, ou même avec l'intention de verser un tout petit peu de sang à l'extérieur. Ou encore, L'aktir et emurav bachutz, o miktsat emurav bachutz. L'aktir, ça veut dire faire brûler. Donc, brûler les emurim. Les emurim, c'est ce que c'est l'épave qui monte sur le misbéach. On expliquera pourquoi ça s'appelle emurim. Je ne veux pas leur dire le cours. Donc, faire brûler, griller les emurim, l'épave que l'on apporte sur l'autel, qu'on est censé apporter sur l'autel. Mais lui, il a l'intention de les faire brûler en dehors de la Hazara. Or, Miktsat Emurav Bachutz. Ou encore même un tout petit peu des Emurim. Il veut les sortir pour les faire brûler à l'extérieur du Bet Amigdash. Ou encore, les Chol Besaro Bachutz, au Kazaït Me Besaro Bachutz. Ou encore, il le fait avec intention de manger la chair en dehors du lieu permis, soit de la Hazara si c'est un Khatat ou un Sham, ou soit en dehors du Rochalem si c'est un Shlamim, ou un Korban Toda, ou un Pessah, ou d'accord. Ou bien même au Kazaït mi Bessaro Bachutz. Ou même un seul Kazaït, un volume d'une olive, il le fait avec intention de le consommer à l'extérieur. Genre le gars, il est parti faire son Korban Pessah, voilà, Bezant Hashem, vendredi après-midi, ça va être le moment d'apporter le Korban Pessah, il va égorger le Korban Pessah, il dit mais quand même, je vais garder un petit bout de chair avec moi pour lorsque je vais ensuite quitter Yerushalayim la semaine prochaine, que je pourrai l'amener à ma femme qui est restée à Tel Aviv, elle m'attend là-bas, je vais lui amener un petit bout de chair. Donc il égorge maintenant le korban en pensant lui apporter un morceau de chair jusqu'à Tel Aviv. Même si c'est juste un petit kazaït. Ou encore, o lechol kazaït meor alia bachutz, ou même si son intention n'était pas de faire sortir la chair jusqu'à Tel Aviv. Mais c'était dit que juste consommer un kazaït de la peau qui recouvre la queue du mouton. Alors dans tous ces cas-là, on expliquera pourquoi, quelle était la nécessité d'entrer dans ce détail-là. Mais en tout cas, dans tous ces cas-là, pasoul, le korban est invalidé, mais ve'en bo karet, mais on n'est pas passible de karet, de retranchement. C'est clair ? Pourquoi ? Parce que pour le moment, on était chutz limkomo. L'intention, elle était avec l'intention de le faire sortir en dehors des limites d'espace permises. D'accord ? En dehors des limites permises. À la différence en dehors des limites de temps. Comme c'est le cas tout de suite de la Mishnah qui reprend et qui nous dit par contre. L'izrog d'amole machar, o miktsat d'amole machar. S'il égorge le korban avec intention de. Ça va plus, là, ces derniers temps-là, elle fait que de pleurer pendant les cours. On va y parler, mais pour le moment, je continue le cours. L'izrok damo le machar, o miktsat damo le machar. S'il égorge le korban avec intention de verser son sang le lendemain, il doit verser le sang nécessairement dans la journée. Et même pas le soir, d'ailleurs. Mais il le fait avec intention de verser le sang le machar, le lendemain, o miktsat damo le machar. Ou encore avec intention même de verser un tout petit peu du sang le lendemain. Ou encore, l'aktir emurav le machar, o miktsat emurav le machar, il égorge le korban avec intention de brûler une part de la chair, le machar, le lendemain, o miktsat emurav le machar, de laisser un petit bout de chair qu'il fera brûler demain, à un moment où ce sera interdit. Ou encore, le chol besaro le machar, o kazait me besaro le machar. Ou encore, il égorge le korban avec intention de consommer un morceau de sa chair pour le lendemain. Il fait son korban pessah, mais il se laisse, il veut garder un petit kazaït pour le lendemain, le repas de midi. Au même kazaït me besaro le machar, donc, ou encore ce cas-là de oleichol kazaït meor alia le machar, ou encore avec intention de manger la chair, de manger un kazaït, un volume d'un kazaït, de la peau de la lia, de la queue, les machars pour le lendemain,
Dans tous ces cas-là, le korban sera pigoul. On aura transgressé l'interdit de la Torah de pigoulou lo yeratze. Et vechayavin alav karet. On sera passible de retranchement si on le, si on le consomme. D'accord ? Parce que là, on a transgressé l'interdit de pigoul. À la différence du premier cas, on avait l'intention de le faire sortir du le permis. On a dans ce cas-là transgressé que l'interdit de. On a invalidé le korban, mais il est juste pasoul, invalide. Mais il n'est pas pigoul, répugné. C'est clair ? Maintenant, je viens, je précise l'histoire qui se passe avec le Ora Alia. Et là, ce sera beaucoup plus facile avec la Mishnah de demain. Donc, du coup, je vous introduis vite fait le principe. Si j'égorge le korban avec intention de consommer quelque chose qui n'est pas consommable dans un moment interdit, c'est-à-dire, je dois porter un korban pessar, je dois, de la Torah, elle me dit, tu le manges ce soir. Moi, j'apporte le korban pessar, mais je me dis que je vais manger les cornes du bélier, je vais les manger le lendemain. D'accord ? Ça peut exister des gens qui mangent des cornes, justement. Ça ne se mange pas. En tout cas, moi, j'ai eu l'idée que je me dis, je garde les cornes, je les mangerai demain. Ou les ongles. Ouais, par exemple, ils sont encore mous, le petit mouton, il est encore tout frais, ils étaient encore tout mous, ça me dit de manger les ongles. Alors là, dans ce cas-là, puisque j'ai l'intention sur quelque chose qui n'est pas consommable, alors je ne transgresse pas, j'invalide même pas le korban. C'est pas une intention qui est invalide, parce que c'est une intention vaine, qui n'a pas de sens. On transgresse l'interdit de pigoul, ou de pasoul, que si on a une intention sur quelque chose qui est consommable. Chaque chose en son temps. Chaque chose selon son temps, que ce qu'il s'agisse du sang que l'on verse sur le misbéach, des évarim qu'on va faire monter sur le misbéach, ou des évarim, des parts que l'on va consommer soi-même. D'accord ? Il faut nécessairement. De ce fait, question, si jamais ça me prend maintenant, je me dis, tiens, je vais manger la peau du mouton, je vais la manger quand j'arriverai à Tel Aviv. Et bien dans ce cas-là, j'invalide pas le korban. Pourquoi ? Parce que la peau ne se mange pas. À une seule exception, la peau de la halia. La queue du mouton. Quand on dit la queue du mouton, ouais, c'est toute la partie arrière. En hébreu, c'est pas un zanav, c'est un mot spécial, c'est la halia. C'est la partie du mouton la plus, chez ceux qui aiment le mouton, c'est la partie du mouton la plus agréable. Apparemment, qui est la plus grasse, apparemment, ou je sais pas exactement. Personnellement, j'entends viande grasse, ça me fait frémir. Mais en tout cas, chez ceux qui aiment la viande grasse, c'est la partie la plus mechoubachat, cette queue-là du mouton, c'est tout l'arrière du mouton. Et là-bas, la peau, même la peau est consommable. De ce fait, la Mishnah vient et me dit, sache que tu invalides le korban, même si tu as l'intention de consommer la peau du mouton, la peau de la queue. Parce que cette fois-ci, c'est quelque chose de consommable. De ce fait, dès que tu vas vouloir consommer un kazaït, à l'extérieur, au-delà des limites de temps ou d'espace permises, dans ce cas-là, tu invalideras ton korban, il y aura même au sens là aussi un interdit de pigoul. Et c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tov, Salah.